La politique et cette image de campagne, la famille socialiste et ses alliés PRG, UDE, CAP 21 et Mouvement des progressistes réunis à Tours devant la gare pour la photo de campagne. François Bonneau a présenté aujourd'hui officiellement sa liste pour le premier tour des régionales. On l'écoute. C'est une liste socialiste avec des radicaux, avec CAP 21, c'est le mouvement de Corinne Lepage, avec le mouvement des démocrates et de l'écologie, c'est Pierre Commandeur qui est avec nous, qui était responsable du MoDem ici en Touraine, qui a choisi de venir sur ma liste parce que considère que les valeurs humanistes, les valeurs du centre, elles sont portées par notre liste et il n'accepte pas l'alliance entre la droite et la droite extrême qui se profile de l'autre côté. Ce qui fera la différence, c'est de réussir, c'est ce que nous attachons à faire, à expliquer aux habitants de la région, aux habitants de l'Indre-et-Loire, que la région n'est pas une collectivité éloignée, mais une collectivité au cœur de leur quotidien, que sur ce quotidien, les options et les visions des choses sont radicalement différentes, et que le programme de François Bonneau, le programme de gauche, ça ne donne pas la même chose pour le secteur associatif, pour les transports scolaires gratuits, pour le développement économique du territoire, que le programme de la droite, que d'ailleurs nous ne connaissons pas encore aujourd'hui.